Certains l'appelaient le métallurgiste de la mode. Le couturier Paco Rabanne est mort. Francisco Rabanne da Cuervo, avec 88 ans, il était connu pour ses robes métalliques et son utilisation de matériaux souvent rigides, comme le métal. Paco Rabanne, c'était aussi un parfumeur et un homme d'affaires. Il aura habillé les plus grandes icônes de la mode, comme Audrey Hepburn. Retour sur sa carrière avec Nicolas Lejuste et Dominique Dussin. C'est l'image iconique des années 60, Françoise Hardy habillée de métal par Paco Rabanne. Le couturier est alors au sommet de sa créativité, utilisant des matériaux nouveaux comme l'aluminium, le plastique, le papier ou le cuir pour habiller les femmes. À l'époque, Paco Rabanne entre de plein pied dans le monde fermé de la haute couture. Ses robes brillantes, sexy et joyeuses inspireront jusqu'à aujourd'hui des générations de stylistes. Ce que j'ai essayé moi de faire dans la mode, puisque chacun a son style, c'est d'apporter une technique et des matériaux différents. Le métal, par exemple, ça a été un scandale quand j'ai mis du métal, comme quand j'ai mis de la musique, parce que les gens ne savent pas qu'avant moi, avant mes collections, il n'y avait pas de musique dans les défilés de mode. Il y avait une aboyeuse qui créait le numéro des modèles en pleine époque des Beatles. Paco Rabanne était né en Espagne d'un père colonel républicain fusillé par les hommes de Franco alors qu'il défendait Guernica. Réfugié en France, en Bretagne, il étudiera l'architecture avant de choisir la mode, puis les parfums. Paco Rabanne marque l'histoire de la mode, mais il se fait aussi très vite remarquer par ses déclarations excentriques, croyant à la réincarnation, affirmant avoir été une prostituée du temps de Louis XV ou avoir rencontré Jésus et des extraterrestres. Il affirmait d'ailleurs pouvoir prédire l'avenir grâce à ses voyages dans l'espace. J'ai vu la Terre, j'ai vu ce qui allait arriver si je m'incarnais, parce que j'avais la possibilité de refuser. De ma naissance à ma mort terrestre, et j'ai vu la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu la guerre d'Espagne, j'ai vu l'arrivée de l'Antéchrist, le Maitreya, l'anglais, j'ai vu la Troisième Guerre mondiale qui arrive là très bientôt, et on m'a montré des choses horribles. Et j'ai dit, ok, je vais redescendre. C'est d'ailleurs une de ses prédictions, la destruction de Paris par la chute de la station spatiale Mir le 11 août 1999 qui le poussera à la retraite. Le 12 au matin, il doit bien reconnaître son erreur et s'efface de la haute couture et des médias. Sa marque de prêt-à-porter persistera jusqu'à aujourd'hui, tout comme ses parfums. Paco Rabanne s'est éteint chez lui en Bretagne, à 15 jours de son 89e anniversaire.